Coucou, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo tuto. Je vous avais présenté il y a quelques mois, peut-être même une bonne année maintenant, des petites choses que je faisais avec les dosettes de café. Vous avez vu il y a quelques semaines les fleurs en dosettes de café. Là, je voulais vous montrer qu'on pouvait vraiment faire plein de choses. Ce que je vous propose, évidemment, avec ça, vous pouvez aussi le faire avec des filtres à café. Mais vous savez que pour moi, l'intérêt, c'est de recycler un maximum de choses. Je trouve que c'est dommage d'aller acheter des filtres à café dans le commerce uniquement pour faire ce genre de choses. Maintenant, si vous avez une cafetière à filtre à café et que vous voulez les utiliser, bah sachez que ça pourra être, vous pourrez faire ce genre de petites choses. On va brièvement donc revenir sur les dosettes. Donc, ce sont des dosettes de café pour la machine Senseo que je divise en deux puisque le café est à l'intérieur. Donc, je les divise. Pourquoi j'en ai des clairs et des foncés? Parce que les clairs, ce sont mes parents qui me les gardent et parfois, comme ils me les entassent un petit peu, elles ont tendance à moisir. Vous voyez, par exemple, comme celle-ci. Donc, je les repasse toujours un petit peu à l'eau. C'est pour ça que celles-ci sont plus claires. Cela étant, c'est bien aussi pour certaines choses d'avoir des plus claires. Que celle-ci par exemple. Donc, je voulais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Ça, c'est celle que j'avais fait les années précédentes. Alors, j'en ai pris que trois, juste pour vous montrer. Donc, là, on a des dosettes tamponnées. Et là, on avait avec des petits papillons. Le seul problème, c'est que, eh bien, lorsque l'on fait lorsque l'on vernit une dosette, eh bien, automatiquement, le vernis glisse et se retrouve sur la partie du dessous et c'est systématique. Hein. Donc ça c'est un petit peu ce que je trouvais dommage. Alors j'aime bien aussi quand c'est mat comme ça, mais j'aime bien aussi dans certains cas quand c'est brillant et notamment quand on travaille avec des fleurs séchées. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer donc toutes les techniques, enfin tout ce que j'utilise pour faire ça et le rendu. Donc là, j'ai utilisé la technique donc du à l'envers pour pouvoir avoir le vernis sur ma face avant. Donc on le voit par exemple ici avec les marguerites. Donc les marguerites sont bien sur le dessus et j'ai bien le vernis de ce côté-ci. Donc mes marguerites sont protégées et en plus j'ai ce côté brillant que je trouve sympa. Après, j'aurais très bien pu le faire à l'envers et n'avoir qu'un côté mat, hein, toujours avec mes fleurs. Mais mes fleurs auraient été un petit peu moins protégées et là, cette couche sur mes fleurs, c'est vraiment ce qu'il faut en fait, hein. Donc voilà par exemple celle-ci, on a celle-ci, là c'est un petit peu différent puisqu'on a des fleurs en épaisseur, hein, contrairement aux autres où j'ai travaillé avec beaucoup de fleurs plates, comme ici les pensées, ici les coquelicots que ma maman m'a fait sécher. Ici on est avec des petits morceaux de lilas, alors c'est un petit peu aussi en surépaisseur. Ici toujours une pensée, donc vous voyez, avec du foncé et avec la claire. Voilà, le rendu est différent, mais je trouve que c'est sympa en tout cas pour les deux. Prime vert, ici c'est de l'ostéospermum, ici on a de la petite prime vert, et ici pensée donc de différentes tailles. Donc voilà pour les fleurs séchées, donc je trouve que c'est vraiment super, vous savez que j'adore les fleurs, hein. Donc voilà ce que ça donne. Avec le tamponnage, alors j'ai pas fait beaucoup d'exemples, mais voilà, c'est pour vous donner une idée, on va de toute façon en faire ensemble, avec du tamponnage. Ici, j'ai fait également avec du serviettage et je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'on a cette transparence qui est super intéressante. Regardez ça. Franchement, serviettage, j'adore. Ici, celle-ci, je l'ai coupée avec une petite forme. Donc voilà pour le serviettage. Et puis, on va terminer par celles-ci qui ont été faites avec des découpes, des die cuts que j'avais. Voilà, différents die cuts. Et je trouve que le rendu est aussi très sympa. Donc on y va. Si vous êtes OK, je pousse tout ça. Parce qu'il me faut un petit peu de place. Alors, si vous voulez vous référer à la précédente vidéo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller la voir. Elle est un petit peu longue. Et là, on va faire un tout petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va le faire à l'envers. Et non à l'endroit comme je faisais la dernière fois. J'utilise souvent ces pochettes-là. J'avais des pochettes de mes fils, des classeurs, qui étaient un petit peu abîmées. Et donc, franchement, ça, c'est parfait, je trouve, pour faire le serviettage. Mieux
que ce genre de choses. Ça, c'était un emballage, un grand emballage plastique. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais bon, bref, je l'ai gardé. Et là, vous voyez, pour les fleurs séchées, par exemple, ben, c'est pas génial parce qu'en fait, ça reste collé. Donc, il y a des matières qui sont un petit peu moins appropriées que d'autres. En tout cas, je peux vous dire que ces pochettes-là, ça, c'est génial. Donc, je vais prendre des pochettes. J'en ai une troisième ici. On va commencer par le tamponnage. Et je vais d'abord faire le tampon et je vous montrerai la technique après. Parce que je voudrais que l'encre sèche un petit peu, comme ce sont des encres à eau que je vais utiliser, je voudrais que ça sèche un petit peu avant de, eh bien, de passer ma colle. Et ensuite, je reviens pour tout vous expliquer. Donc, je vais prendre ce tampon-là. Je vais prendre une encre de chez Stampin' Up parce qu'elles sont assez gorgées en pigments, contrairement au Distress Oxide. Vous savez que j'adore, bah, j'arrive plus à l'ouvrir. Zut. Voilà, vous savez que j'adore les Distress Oxide, mais par contre, voilà, pour ce qui est de ce tamponnage-là, je pense que ce sera mieux, en tout cas plus marqué, parce que vous voyez, avec la Distress Oxide, c'est un petit peu léger quand même. Donc, hop. Donc, on fait le tamponnage. Donc, vous voyez, j'y vais un peu. Le but, c'est que c'est pas, que ce ne soit pas forcément parfait. Zut, j'avais mis mon livre pour récupérer l'encre, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, je vais dégorger. Donc, j'ai toujours des pages de vieux livres à côté. Je m'en sers en fait, hein, vous voyez, il y a plein de petites choses dessus, de tamponnage. Je m'en sers en fait pour essuyer mes tampons, puis récupérer un maximum d'encre et regarder ce tamponnage, comme ça peut faire sympa. Alors, là par contre, j'ai fait mon boulet, comme d'habitude. Hein. Vous me connaissez. Je tourne une vidéo, je discute et... Voilà, bon, ça en récupérer un peu, mais je vais être obligée d'essuyer. Donc, les tampons, c'est en train de sécher, on y reviendra, mais voyez déjà ce que ça donne. Je trouve que quand même, c'est vraiment super. J'espère que je ne suis pas trop en train de vous faire bouger. Donc, on les met de côté. Qu'est-ce que j'utilise pour faire tout ça? Si vous avez du vernis colle, eh bien c'est parfait, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai pas, enfin j'en ai, mais j'utilise depuis maintenant pas mal de temps la Patex qui sert vraiment à tout. Vraiment, je la trouve géniale. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, oui, ça y est, je vais la diluer. Donc, j'en mets toujours dans mon pot. Donc, vous voyez, c'est mon pot. Je l'utilise depuis tellement longtemps que l'humidité, ça a fait rouiller le couvercle. Je mets donc, hop. Essuyer le bord, voilà, de la Patex dans mon pot. Cette Patex, je vais venir rajouter un petit peu d'eau dedans pour la diluer, parce que moi j'aime bien qu'elle soit diluée. Là, je la trouve trop épaisse dans le. Donc, je mets tout simplement un petit peu d'eau. Ah, je l'ai peut-être un peu trop diluée. Alors, si ça vous arrive, bah, il vous suffit de remettre un petit peu de colle, hein, c'est pas gênant. Voilà, je mélange bien. Voilà, ma colle est prête. Alors, on va commencer. Donc, déjà, je prends une petite dosette. Je vais vous montrer comment on fait avec du serviettage. Et là, je me suis découpée, donc, dans cette serviette-ci. Je me suis découpé donc des petits papillons. J'ai enlevé bien sûr, il y a deux couches, il y en a une qui vient de voler. Il y a deux couches comme ça, je les ai enlevées. Je me retrouve vraiment avec l'épaisseur de juste imprimée. Il n'y a rien d'autre. Et donc, on va tester avec ça. Donc, par contre, je vais faire la technique du à l'envers. Donc, je veux que le brillant soit sur mes papillons. Donc, je commence par mettre un petit peu de colle. Alors, pourquoi un petit peu de colle? Parce que ça va me permettre de bien positionner sans que ça bouge de trop et puis ça me donne une idée, voilà, de la taille de la dosette. Hop. Faut pas que je dépasse de trop, non, c'est bon. Voilà, là c'est bon, je positionne ma dosette de café et ensuite je pars du centre et je viens bien lisser.
Comme c'est quelque chose de très souple et parfois qui est un petit peu avec une forme, hein, puisqu'il y avait le café dedans, c'est bien de bien la tendre. Voilà, pour qu'elle soit bien plate, qu'elle ne fasse pas de plis. Cela dit, c'est beaucoup moins fragile, hein, qu'une serviette, donc c'est plutôt facile à faire. Donc voilà pour le serviettage. Du coup, on va pouvoir retourner et voir ce que ça donne. Bon, mes papillons sont pas très bien placés, mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donnera. On va également, donc je pousse tout ça. J'ai préparé également des découpes. Alors dans le tuto avec les fleurs, j'ai préparé quelques découpes ici. On va les faire. Dans le tuto avec les fleurs, je vous montre qu'on peut aussi les coloriser avec les colorier. Vous ferez comme vous voulez avec. Donc, je prends par exemple aussi celle-ci avec des feutres. Alors là, moi, ce sont des feutres aquarelles que j'ai utilisés. Donc, ça risque de bouger un petit peu, puisque je vous rappelle qu'on est sur une colle. Même si c'est une colle vinylique, il y a quand même pas mal d'eau dedans. Donc, j'espère que ça ne va pas bouger. Mais bon, on va essayer, on va tester. Donc, également avec quelque chose que vous ancrez vous-même. C'est pas grave si le rond n'est pas super bien fait, puisque la colle va fatalement revenir sur le plastique et elle imprégnera vraiment tout puisqu'on va recouvrir tout l'extérieur. Donc au début, si vous n'en mettez pas beaucoup, c'est pas gênant. Ça va permettre juste au moins, en tout cas, de, on va dire, d'arrimer, de coller le, voilà, la partie qu'on va rajouter. Donc, je mets mon die cut, je remets un petit peu de colle, je tourne. Alors j'ai retourné ma dosette puisque je l'ai mis couleur. J'ai mis le côté que j'avais coloré avec le feutre sur la partie plastique. Vous voyez, je sens bien que ma couleur prend une petite teinte rose. Hein. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc faites attention à ce que vous utilisez, ça devient un petit peu rosé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, nous, on ne va pas s'éterniser. Voilà, je passe juste un petit coup et hop, je vais laisser sécher. Par contre, regardez, vous avez vu mon pinceau, je pense que je vais pouvoir l'essuyer pour pas tacher le reste. Je vais continuer avec celle-ci. Alors, c'est pareil, si vous utilisez des images que vous avez vous-même imprimées, et vous-même imprimer avec une imprimante à jet d'encre, faites attention que l'encre ne se dilue pas. C'est important. Si vous travaillez avec une imprimante laser, il n'y aura pas de souci. Mais si vous imprimez avec une jet d'encre, votre encre risque de filer. Je préfère vous le dire pour que vous n'ayez pas de soucis. Voilà. Je vais terminer avec celle-ci. Je vais vous montrer après avec les fleurs séchées, ce que ça donne. Alors, on met celle-ci d'abord. Je vais mettre celle-ci. Ouais, ça va. Alors, par contre, veillez quand vous superposez à coller, parce que sinon, ça va se voir et ça ne va pas être joli. Ça risque d'être mal fixé en fait sur la dosette. Alors, hop. Moi j'utilise un petit pinceau, mais vous pouvez aussi utiliser un plus large. D'ailleurs, je l'ai préparé, il est là. Mais n'hésitez pas, comme c'est pas fragile, la dosette a vraiment lissé, pour qu'il n'y ait pas trop de plis. Donc voilà pour les dies. D'ailleurs, on va le retourner, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, pour l'instant, le résultat est quand même assez sympa. Et on va faire avec tout de suite le tamponnage. Alors, je ne vais pas faire les quatre, hein. Moi, je le ferai après pour moi. Je vais juste en faire un pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et par contre, on va passer un petit peu plus de temps sur les fleurs séchées, parce que là, ça demande plus d'être minutieux. Attendez, j'ai un truc en dessous. C'est bon.
Donc pour l'instant, le tamponnage, ça a l'air de tenir. Bon, faut dire aussi que je suis sur l'envers, hein, bien sûr. Bon, tant que j'y suis, je vais faire le deuxième. Et puis ensuite, on prendra une planche neuve pour les fleurs séchées. D'ailleurs, il y a bientôt, il y aura aussi une vidéo sur les fleurs séchées. Je vous en ai fait une il y a quelques années maintenant qui avait beaucoup plu. Mais ça me permettra de non seulement de vous parler un petit peu de la technique, bien sûr, mais aussi de vous donner plus d'utilisation, même si ces vidéos-là, je vous les ai déjà tournées, mais faire un petit récap. Hein. Et je pense que c'est toujours bien pour celles, en tout cas, qui me rejoignent sur cette chaîne, de pouvoir voir les anciennes vidéos. Donc, on laisse sécher. Je pense que pour ça, on se retrouvera eh bien, au moins dans quelques heures, peut-être 3-4 heures. D'ailleurs, pour les autres aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je reprends une pochette. Je vais prendre mes fleurs séchées. Alors là, ce sont toutes les pensées de mon jardin que j'ai fait sécher. Donc, il y a vraiment différentes choses avec différentes tailles. Je vais reprendre une dosette. Alors, je vais en prendre une comme celle-ci et une plus claire. Donc, je vais choisir. Alors, une pas trop grosse parce que l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de voir le papier en dessous. Alors, je vous rappelle que les fleurs séchées, c'est très fragile. Donc, c'est à manier avec précaution. En fait, j'essaye de repérer la taille qu'il va me falloir. J'en ai peut-être une ici. En fait, je ne voudrais pas qu'elle soit trop grosse. Vous voyez, elles sont de différentes tailles. Voilà, je crois que je vais garder celle-ci. Hop, je vais essayer de les ranger proprement. Et puis, donc, pour l'autre, on va en choisir une. Voilà, une claire. Par exemple, celle-ci. Celle-ci. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. On va peut-être plutôt faire ça. Et celle-ci. Hop. Donc, je range mes fleurs et on y va. Alors là, par contre, il faut être évidemment beaucoup plus délicat parce que les fleurs sont vraiment fragiles. C'est quand c'est bien sec, c'est très friable. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Donc, comme d'habitude, je mets un peu de colle. Je mets ma fleur évidemment à l'envers, comme ce qu'on vient de faire. Pour les autres procédures, hein, toujours le motif à l'envers. Alors là, je vais venir coller. Vous voyez, là, on a mettre un petit peu de colle entre les pétales, puisque, à contrario de la dosette, la colle ne s'infiltrera pas dans la fleur. Donc ça, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de surcharger, mais d'en mettre un petit peu pour que tout reste bien. Je remets un petit peu de colle, même si cette étape n'est pas forcément utile, puisque encore une fois, quand je vais mettre la dosette, je vais remettre de la colle. Mais ça va me permettre de bien l'attendre. Voilà, par exemple, j'ai un petit bout de feuille que je vais retirer. Et ensuite, je viens. Je pense que c'est centré. Hop. Je fais la même chose, simplement je vais être beaucoup plus délicate pour que la fleur ne soit pas friable. On va se retrouver ensuite, une fois que j'aurai fini tout ça et que tout sera sec, je vous remontrerai que pour les fleurs séchées, pour les autres, il n'y a pas l'utilité, mais pour les fleurs séchées, on sera peut-être obligé de remettre une petite couche dessus pour qu'elles soient vraiment vernies et protégées pour qu'il n'y ait pas que rien ne soit friable. Vous voyez là? Par exemple, on a un endroit ici
Ouh, il manque un petit peu de vernis, donc d'ailleurs je vais la remettre. Et c'est important en fait que cette couche y soit pour pas que ce soit friable. Donc tant que j'y pense, je vais le faire tout de suite. Pas que dans le temps, elle vienne se casser, même si elle est collée par le dessous. Je la mets là. Et on va faire celle-ci. Alors, même chose, je vais mettre un petit peu de colle. Entre les pétales. Alors, je vais essayer de centrer ma fleur. Donc celle-ci va être un petit peu plus difficile parce qu'elle est gorgée de café, contrairement à celle-ci. Vous voyez qu'ils sont hyper souples. Celle-ci le sont un peu moins. Vous voyez, on sent que ça craque un peu plus parce que c'est gorgé de café. Mais c'est pas grave, il suffit d'être un petit peu plus patient, le temps de détendre, entre guillemets, la petite dosette en fait. Plus elle sera imbibée de colle et d'eau et plus elle va s'étirer. Donc, se détendre un petit peu. Oui, j'insiste vraiment sur les côtés. Et on voit bien que ça me dilue le café. Donc, voilà. Pour les fleurs séchées, j'essaie de vous montrer ce que ça va donner. Donc, un aperçu. Oula, voilà. Un petit aperçu de ce que ça va donner. Les fleurs séchées, c'est beaucoup plus long à sécher que le reste. Puisque, eh bien, comme la fleur n'absorbe pas la colle, hein, ça, voilà, sur 3 heures pour un ou 2 heures pour un quand il fait chaud, je pense que peut-être même d'ici 1 heure, ce sera sec. En tout cas, pas mes fleurs séchées. Celle-ci, je pense qu'il faudra que j'attende au moins 2 heures de plus pour que le cœur ici soit bien sec. Donc ça, c'est pour, eh bien, au détail. Donc, qu'est-ce que je fais après tout ça? Eh bien, je m'en sers pour faire des petites... pochettes dans mes junk, des petites décorations dans mes junk. Après, vous pouvez le recoller où vous voulez, pochette, pas pochette. Mais vous pouvez aussi faire du papier de dosette. Pour faire du papier de dosette, eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de prendre une grande feuille, de venir coller vos dosettes. Tout simplement. Voilà, et les assembler pour refaire une feuille de papier. Donc moi, je vais les superposer un petit peu ici. Vous pouvez bien sûr y rajouter des fleurs séchées. Vous pouvez y rajouter également du serviettage. Je vous rappelle que si vous faites ça, l'idéal, hein, si vous voulez avoir le côté verni, eh bien, c'est de travailler donc en comment dirais-je, à l'envers. Donc ça, c'est important. Voilà, par exemple, hop, je viendrai les détendre après. Là, je voudrais vraiment vous montrer un petit peu comment les assembler. Hop, voilà. Après, vous pouvez également alterner les couleurs. Pas de souci, c'est possible aussi. Justement, dans le papier, ça peut être sympa d'avoir différentes couleurs. Celle-ci, peut-être comme ça, hop. Par exemple, tiens, je vais insérer celui-ci. Je vais peut-être même d'ailleurs l'insérer ici, ce sera mieux. Hop.
Voilà, donc vous positionnez votre papier comme vous voulez. Il suffit ensuite de venir repasser une couche de vernis, enfin de colle ou de vernis colle, peu importe, sur l'entièreté. Là, je vais volontairement pas étirer, je vais laisser des petits plis parce qu'en fait, je trouve que ça peut être sympa aussi d'avoir quelque chose de pas vraiment lisse. Donc, je vais laisser avec des plis, je vais pas vraiment tirer, vous voyez, je passe grossièrement. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la colle sur l'entièreté du projet. Là, par contre, je vais être obligée d'étirer un peu. Puisque ces dosettes-là sont un peu plus dures. Voilà, donc là, la feuille est entièrement faite. Alors, vous avez vu, je suis allée vraiment rapide. J'ai pas vraiment fait beaucoup attention. Vous voyez, par contre, il y a des endroits quand même où je reviens un petit peu avec la colle hein, parce que du coup, c'est quand même bien quand c'est bien collé. Voilà, mais dans l'ensemble, j'ai pas vraiment fait attention à ce que je faisais. Voilà ce que ça va donner dans l'autre sens quand ce sera sec à peu près. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour que je vous remontre tout ça. Allez, ça sèche et puis je fais une petite pause. À tout à l'heure. Me voici de retour. Donc, ça fait un petit 3 heures que ça sèche. Ça, c'est sec. Pas de souci. Ça, c'est sec aussi. Mais les fleurs, moi, ça, je m'y attendais. Hein. C'est pas tout à fait sec. Hein. Quand on regarde bien ici, on voit encore de la colle fraîche. Donc je vais délicatement les décoller pour les faire sécher. Pour faire sécher, voyez, regardez, c'est pas sec du coup. Toute la colle est en train. J'aurais dû attendre encore un petit peu. Voilà, toute la colle est en train de sécher. C'est normal puisqu'en fait la fleur n'absorbe pas du tout la colle. Donc c'est pas grave, je vais les retourner. Et je vais repasser un petit coup. Je vais les décoller délicatement. Et je vais repasser un petit coup de colle. Délicatement dessus. Alors, je vais prendre. Je remets un petit peu autour aussi. Il faut vraiment que la fleur soit recouverte de colle, qu'elle soit plastifiée. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui va permettre, eh bien, d'avoir une bonne résistance dans le temps, en fait, hein. C'est ce film plastique qui va nous permettre de pouvoir conserver la fleur. Voilà, je referai la deuxième plus tard. C'est pour vous montrer un petit peu comment faire si vous faites la même chose que moi. Et puis, on va regarder en attendant ce que ça donne. Donc, voici le papier d'envoyé. C'est ce que je vous disais, hein. Sur ce genre de matériau, ça se décolle vraiment très, 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 très bien. Donc, voilà le papier. On a bien sûr le côté ici, donc verni. Et encore, vous voyez là, j'ai quelques trous. Je ne me suis vraiment pas appliquée tout à l'heure, hein, parce que là, il me manque encore quelques trous de colle. Mais bon, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, on a suffisamment de rigidité pour faire une couverture de quelque chose. Donc, si vous voulez le côté brillant, on a le côté brillant ici avec le tampon. Mais aussi, on l'a de ce côté-ci, côté mat. Et côté mat, ça peut être aussi une idée. Et puis sinon, vous pouvez les utiliser comme moi en pochette. Et puis, on termine par celle-ci. Donc, vous voyez, ça, c'est bien fini, c'est en train de se décoller.
Donc voici. Hop, ça c'était le coloré. Donc vous voyez, un petit peu de résidu de colle autour. Il vous suffira de le retirer avec éventuellement une paire de ciseaux si vous voulez quelque chose de vraiment très net. Donc voilà ce que ça donne avec le coloré. Donc je l'avais coloré avec un feutre aquarelle, puisque je n'avais que ça sous la main. Et franchement, regardez le résultat, c'est quand même assez sympa. C'est-à-dire que de ça, une dosette transparente, on peut également les teinter. Donc voici le troisième. Donc je vous rappelle, serviettage, ça ce sont des découpes de fleurs, y compris pour celle-ci. Donc découpe de fleurs. On va faire plutôt ça comme ça. Voilà, donc les découpes ici, le serviettage ici, et les deux derniers. Voilà, les deux derniers, eh bien, c'est du tamponnage. Alors, vous voyez, le tampon ne devait pas être super sec parce que ça l'a quand même un petit peu. On sent qu'il y a eu de l'eau dessus. On a l'impression qu'il s'est un petit peu dilué. Bon, moi, c'est l'impression que j'en ai parce que je connais bien ce tampon et je sais qu'il n'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Mais ça reste quand même, ça donne quand même franchement un bon rendu. Et puis, si vous préférez, vous pouvez l'utiliser côté où on est sur du mat hein, puisque le brillant est de ce côté-là. Donc voilà pour ce dernier tuto. Si j'y pense, je vous mettrai la photo de la fleur, donc de la pensée séchée, enfin des deux pensées séchées après la deuxième couche de colle sur le dessus pour que vous ayez un bon aperçu. Voilà, j'espère que je ne vais pas oublier. Sinon, bah, écoutez, prenez bien soin de vous et puis bel été et à bientôt. Bye bye!